Bonjour, je m'appelle Duchelle, Duchelle Touma. Ce que vous allez écouter est mon histoire. J'avais 16 ans. Oui, juste 16 ans. Quand par émancipation, j'ai connu John, un homme de 20 ans. Et 20 ans selon la loi est majeur. Nous commençâmes une aventure amoureuse. Et au bout de 3 mois, je tombais enceinte. C'est alors que je devais un calvaire pour mes proches. Je te parle, merde! Tu m'attends? Tu ne m'aimes plus la clé ici. Même mon petit ami, qui me promit ciel et terre pour m'avoir dans son lit, m'ignora. En un temps, quand le monde m'oubliait, je me sentis dans l'impasse, seule. La fille chérie que j'étais à mes parents. Est devenue une SDF sans domicile fixe. L'idée de m'en débarrasser me hanta. Et je le fis. Aujourd'hui, je me souviens seulement d'une chose. Quand je me réveillais sur le lit d'hôpital, il y avait une infirmière devant moi. Quelques instants plus tard, revenu à ma conscience, je vis une autre à mon chevet. Si tu lis cette note, il faut dire merci car ton Dieu est vivant. Tu as côtoyé la mort. Je ne veux pas savoir pourquoi tu as fait cela, mais seulement te dire que l'avortement est un crime fortement condamné par la loi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les douleurs, il y a un Dieu pour toi qui ne te laissera jamais, même si tout le monde t'abandonne.
pas la peine de chercher à me connaître, car Dieu me connaît très bien, ton sauveur anonyme. C'est comme ça que ma vie a basculé. Je me suis livrée au désordre. Petit, viens ici. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Vite. Allez, tourne-toi. Tu me baisses la tête comme ça. Là. Allez. Sexe. Boîte de nuit. Prostitution. Drogue. Des fois, j'ai quelques minutes de conscience et je m'assis pour réfléchir. Si l'avortement est un crime fortement condamné par la loi, pourquoi ne condamne-t-elle pas celui qui engrosse une fille et refuse ses responsabilités? Pourquoi ne condamne-t-elle pas ceux qui intriguent l'engrossé? Pourquoi ne condamne-t-elle pas les parents qui expulsent la victime sans défense? Au lieu de lui donner des conseils et du courage, la loi était vraiment impassable sur ce sujet. Combien sont-elles, ces jeunes filles comme moi, qui ont tout perdu? Études, amis, parents, proches. Parce qu'elles n'ont pas eu du réconfort après ce faux pas. Alors que nous agressions un groupe, on tira froidement sur ma compagne. Et je la vis s'écrouler. Elle saignait. Du retour à la maison, je m'assis et réalisais combien ma famille me manquait. C'est alors que je décidais le matin de retourner en famille en renonçant au désordre. Oui, il y a un temps pour commencer et un temps pour finir. Et le temps du désordre était fini. Je sonnais et ma mère vint m'ouvrir. Quand elle me vit, elle se mit à pleurer que j'ai dû pleurer avec elle. C'est dans la maison qu'elle m'expliqua que mon papa, après ma disparition, avait eu une crise cardiaque et la mort l'entraîna. Je fus profondément choquée en regardant sa photo.
Ma mère, après avoir écouté mes tribulations, décida de me conduire à l'hôpital où nous fûmes déçus et abattus par le résultat des examens. Chers concitoyens, dans le monde, plus de 85% de femmes qui avortent déclarent elles-mêmes qu'une partie d'elles est morte après l'avortement. Elles sont deux fois plus réduites à l'hôpital que celles qui ont conduit leur grossesse à terme. D'où santé fragile. Des conséquences graves sont à relever. Troubles nerveux, de sommeil, d'alimentation, troubles sexuels, fragilité, douleur, stérilité. Mais n'aurai jamais la grâce de porter un petit-fils ou même une petite fille dans ses bras. Les causes liées à l'avortement sont multiples et entraînent une dégradation sérieuse de la morale. Comme cause, nous avons la pression de l'entourage, le manque de soutien, la fragilité psychologique, la honte, les moqueries et voire même une faible conviction religieuse. Et comme conséquence qui en découle, nous avons le déséquilibre, la dépression, la culpabilité, bref, bien des conséquences qui conduisent à la consommation des troubles, des violences, l'alcool et même le suicide. Alors, parents, amis, connaissances, autorités, l'avortement n'est pas une évidence, non. Il détruit. Il déshonore. Nous pouvons réduire le taux des avortements. Nous pouvons même éradiquer l'avortement. Tout juste en soutenant la jeune fille enceinte. En punissant les géniteurs irresponsables par l'application stricte des lois. Une femme qui avorte a des relations éphémériques. Des divorces durent la perte de confiance et de méfiance. Des femmes qui avortent ont une grande probabilité de se retrouver en situation de monoparentalité, d'où la pauvreté et le célibat. Si je suis responsable de deux meurtres, celui d'un enfant innocent et celui de mon père que je porte dans mon cœur, Père, vous en méchez. Je suis prisonnière dans ma conscience et mon histoire. Je suis sûre que beaucoup de jeunes filles s'en serviront afin d'éviter les débordements. Tous ensemble, stop les avortements.